Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle leçon de mathématiques où nous allons apprendre comment tracer deux droites parallèles. Alors supposons qu'on veut tracer deux droites parallèles A et B. A parallèle à B. Alors, on va commencer par tracer une première droite. Et on l'appelle une droite intermédiaire. Et on va la nommer la droite D. Et maintenant, je trace la première droite qui est perpendiculaire à la droite intermédiaire D. Donc, je ramène mon équerre. Je la positionne de cette façon. Et voilà. Et donc, cette droite, elle est perpendiculaire à la droite D qu'on a déjà dessinée. On va la nommer A. Et maintenant, je vais en tracer une deuxième qu'on va nommer B et qui sera aussi perpendiculaire à la droite intermédiaire D. Alors, je positionne mon équerre de cette façon. Je trace. Et je continue. Et elle sera, comme on a dit, perpendiculaire à la droite D. Et on la nomme B. Et on obtient alors deux droites A et B qui sont perpendiculaires à D et qui sont parallèles entre eux. Et donc, la règle dit que deux droites sont parallèles si elles sont aussi perpendiculaires à une même droite qu'on a nommée ici D.